Bonjour tous les chéris, comment ça va? Moi ça va pas mal parce qu'il fait beau, hein, je suis au bord du lac, mais tu vas me croire que je suis à la campagne, mais non, je suis pas vraiment à la campagne. Eh oui, attends, je vais vite tourner pour te montrer. Et voilà où je suis, juste au bord de la voie de tramway. Et là, oui, il y a toujours le lac, Bordeaux-Lac. Donc c'est une fausse campagne. Qu'est-ce qu'on a là? On a des avirons. Oui, il y a une course d'avirons. Ce lac est très très actif. Tiens, regarde-les là-bas. Et au fond, blanc, le bâtiment blanc. C'est le palais des expositions. Il y a tout le temps quelque chose. Là, actuellement, il y a la foire internationale. Hein, pour moi, c'est de la fausse campagne, hein, parce que, bon, tu me connais, moi, la ville, c'est pas mon truc. Je suis vraiment ici pour des raisons familiales, pour profiter un peu de ma famille. Voilà, l'arrêt de tram est juste là. C'est vachement pratique. Et après, en tramway, tu es à 15 minutes maximum de l'hypercentre de Bordeaux. C'est assez sympa. Alors, ce parking, je le connais. Quelque part, j'ai bouclé la boucle, puisqu'il y a un peu plus d'un an, ben, j'étais déjà garée sur ce parking. C'était ma période, attends, je laisse passer le vélo, voilà. C'était ma période ben, d'entraînement par rapport au camping-car. Et j'étais venue me garer ici. Christa d'ailleurs a fait un commentaire sur. Pardon, je fais le zoom arrière, attends, je me trompe, voilà. Avait fait un commentaire sur Park4Night. Voilà, ce petit parking qui n'est pas du tout fait pour. Et je m'étais fait rentrer dedans, voilà. Pour démarrer ma vie en camping-car, c'était absolument génial. Et le type, il m'avait en fait défoncé. J'étais à l'arrêt, hein, tranquille. Et le mec était rond comme une bille. Et il m'avait défoncé bah, ici, voilà, de côté, ici, pour la vidange des eaux grises. Super, tu vois, je démarrais très très bien. Je te montre un peu le parking. Parce que si jamais tu as envie de venir. Ne sois pas déçu s'il n'y a pas, y a pas de place, parce que c'est vraiment tout petit, tu vois. On est deux, trois camping-cars, c'est tout. Tranquille, mais il n'y a pas beaucoup de place. Parce que, bah oui, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'activités. Puis surtout, c'est hyper pratique. Parce qu'encore une fois, bah, tu as le tram juste là. Voilà, c'est un endroit verdoyant. Mais t'as la ville qui est juste là. Alors tu vas en tram ou tu vas à vélo, parce qu'il y a des vélos aussi. Il y a des Vélib. Donc voilà où je suis pour quelques jours. Je pensais partir ce soir. Finalement, je vais rester un petit peu plus longtemps pour profiter encore de la famille. Comme tu le sais, ben là, je profite de mon fils. On se voit tous les jours. On rigole, on refait le monde ensemble. Jusqu'à présent, j'ai profité un peu de ma maman aussi, qui était ailleurs. Pendant quelques jours aussi. Et puis après, ben, je vais partir et je vais traverser la France en 2, 3 jours, je sais pas, pour aller profiter aussi pendant quelques jours de mon papa. Tout simplement. Donc, ça sera au-dessus de Valence. Et là, en plus, je suis vraiment bien. Je suis bien, je suis. Bon, le matin, je suis un petit peu à l'ombre, ça fait du bien, parce qu'il me fait une chaleur terrible, terrible, terrible. La Cassie, elle s'est cachée sous Coquelicot. Voilà, il reste que la girafe qui admire le paysage. Oh, sinon, Crissa devrait passer ce soir après le rassemblement. Ensuite, on se quitte de nouveau, puisqu'elle repart ailleurs. Et on se rejoindra un peu après la mi-juin pour partir. On n'a pas changé d'avis pour partir en Allemagne parce qu'on a vraiment envie de passer notre été en Allemagne. Tiens, tu vois, il y a un camping-car qui arrive. Je sais pas si tu le vois. Oui, tu l'as vu passer. Toi, le parking n'est pas immense, hein. Donc les gens, ils font un tour en espérant trouver un peu plus loin de la place, etc. Mais c'est pas évident. Ils m'ont fait coucou, sympa.
C'est vraiment agréable ici. Là, comme tu le vois, tu vois, c'est une piste cyclable. Alors, toute la journée, il y a des gens qui passent, trottinettes, à pied, vélo. Et ici, c'est sympa aussi pour aller marcher. Ça, je sais de quoi je parle parce que ce matin, je suis déjà allée marcher. Après, j'irai marcher ce soir. Bon, allez, les chéris, je vous laisse. Un dimanche bien calme, ça fait du bien. Je vais reprendre la route, je pense, mercredi. Et je languis de passer surtout la frontière. Cassie, comme à son habitude, prend possession de son chez-elle. Elle se méfie quand même, parce que sur la piste là, cyclable, il y a beaucoup de monde qui va et vient. Bon, ça y est, maintenant, elle laisse tranquille les canards. Où sont passés les canards? Ah, les canards sont partis. Ah, ce matin, elle n'a pas arrêté. Elle essayait absolument d'attraper les canards. Les pauvres, ils avaient peur. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais plein, plein de gros poutous. Ciao, ciao!